Allez, c'est reparti, chapitre 8, il en reste 2, je sais pas si je le finirai aujourd'hui ou pas, peut-être la surprise. On va voir. Avec Asav, t'as eu aucune info sur les acheteurs. J'ai bien essayé. Asav est du genre secret. Il a jamais parlé de boutique devant moi. Je me demande pourquoi. Il avait assez confiance en moi pour croire que j'étais un expert en Yosala de mes deux. Oh, il s'en a. Bon. Au fait, merci de l'avoir occupé pour nous. Oui, je voulais vous faire gagner du temps au cas où vous viendriez me chercher. Bien évidemment. Sans rire, merci. Je croyais déjà que j'étais foutu. Je serais pas resté sans rien faire. Ton frère m'aurait jamais lâché avec ça. Hop, je dirais que c'est par là. Ouais, ça me semble être par là. Allez hop. Ok. J'ai trouvé la voie ferrée. Ça fait un choc de voir toutes ces structures modernes après les ruines de Sala. C'est soit britannique, soit portugais. 19e siècle. Pourquoi est-ce que je sens bien que la planche va tomber? Non, non. Bon, bah j'ai raté. Et voilà. Par là, y a reçu. Ok. Tu m'aides ? Pas de problème. Allez. Après toi. Vas-y. Excusez-moi. Ok, donc c'était prévu. J'ai raté mon lancer. Dommage. Je l'ai vu que j'ai merdé. Pas assez d'élan. Côté, et je dirais qu'on va par là. Je vérifie quand même. Non, par là. Sam, t'es où? J'arrive. Oh, ça alors, t'es de retour. C'est un petit détour. Tu viens? Je veux bien, mais le pont est un peu cassé ici. Je suis flatté que tu me prennes pour un super-héros.
mais ça fait quand même un peu long. Tu peux pas savoir si t'essaies pas. Oui, on va te faire traverser. Eh, ça pourrait faire l'affaire. Putain de merde, qu'est-ce que c'est lourd. Oh merde, tu rigolais pas. Je rigole jamais. Sur rien. Vous savez, vous devez pouvoir te mettre ça. Allez, manne-toi, Sam. Oh, c'était risqué. T'es encore entier? Ouais. Quelle équipe? Allez, il est trop exposé là-haut. Je me sens bien plus en sécurité quand elle est là. Nadine, monte voir s'il y a quelque chose d'utile. Attends, je vais le faire. Non, c'est bon. Allez, viens, je t'aide à monter. Je voulais juste être égal. Tais-toi et regarde. C'est marrant, ils ont vraiment mis le Drake de côté. Tu vois quelque chose sur quoi on pourrait grimper? Comme une caisse, par exemple? Ça doit le faire. Bien. C'est bon. Allez, monte. Vas-y, Sam. Les anciens d'abord. C'est trop gentil. Non. Elle a juste peur que je lâche et que je te laisse sur place. Bon, je vais faire un petit repérage. Je te laisserai pas partir tout seul. Ouais, bah, laisse-lui une chance. Ah, ok. Sam, tu vois un moyen d'avancer? Si on veut. Par contre, j'ai vraiment besoin de ton grappin. La Kodak, j'arrive. Ça bouge un peu. Non, c'est ça. Hop, faut se balancer. J'en étais sûr. J'avais vu sur en dessous. Je m'en doutais. Ça va. Tu vas bien? Ouais. Super. Je vais emprunter le grappin de Nadine. J'ai une meilleure idée. Bouge pas. J'ai dit bouge pas. Chloé, je peux t'emprunter ta corde? Carrément, mais je passe la première. Excuse-moi. Désolé. Ouais, laisse ta corde maintenant, s'il te plaît. Oh là, j'ai raté mon saut. Je me suis trop mis de côté. Dommage. Bouge pas. J'ai dit bouge pas. Tu fais quoi, Chloé? Merci pour tes repérages, Sam. Ouais. Laisse ta corde maintenant. Allez, hop. Ah, je me suis encore trop mis de côté. Ah, j'attends pas assez pour le faire. Bouge pas. J'ai dit bouge pas. Tu fais quoi, Chloé? Merci pour tes repérages, Sam. D'accord, maintenant. Qu'elle va y aller en premier. Pourquoi t'y vas pas? Laisse-moi la corde. Ça marche. La prochaine fois, amène ta corde, merde. Attention. Ah, j'arrive pas à voir où est la caméra, voilà. Voilà. C'est quoi ça? Du feu?
Ils sont pas très nombreux. On devrait pouvoir... Les flics, elles savent, ils font pas les choses à moitié. Il va y avoir du spectacle. Bordel de merde. Shoreline. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Vous êtes débarrassé de ces gars. Sam. C'est vrai? Oui, c'est sa boîte. Ça va. Bon, les filles, voilà ce qu'on va faire. Je m'occupe du type à droite. Pendant ce temps-là. Merde. La dictature. Oh putain. J'ai pas d'âme, moi. Je vais faire ça. J'ai vu qu'il y avait une arme de poing, je vais la ramasser aussi. Oula. Oh, il y en a un autre. Oh, punaise. Je me fais tirer dessus d'ailleurs. Ah bah oui, je l'avais pas vu. Haha. Alors allez. Je vois rien.
Ah, mais ils sont pas vraiment utiles, les deux là. Cher là. Ah, je peux me cacher là, c'est une blague. Et où? Putain, mais il y en a un qui me tire dessus de vous. Encore ? Deux secondes, je fais le tour. Armes, munitions et tout ça. Genre... Non, je garde ça. Ouais, j'ai vu. Je vais juste aller voir ce qu'il y a là. Rien, c'est pas une caisse de ravitaillement. Par là. Par là. Un coup de main. J'arrive. Et Sam, non. Sam, il regarde. Passe devant. Merci. Bien. On est presque à la gare de triage. Ça devrait plus être long. Exactement ça. Ce voyage était vraiment
Ok. Bon, alors. La gare de triage est plus très loin. Par les couilles du pape, elle est vivante. Nadine, elle est là-bas. À toi en bas. Ouais, tout allait bien jusqu'à ce que Sam mentionne les couilles du pape. Vous êtes où? Près de la tour de transmission. Nadine, tu vois comment monter? Fraser, on trouvera quelque chose ou accrocher ton grappin. Ah, ça, ça me va. J'ai quelque chose pour toi. Ah. Fixe ça contre ce support. Je m'en occupe. Voilà. Ok. Vas-y, monte. Ça, c'est pas bon signe. Ça monte. C'est pas vrai. Cette barre. Je m'en occupe. Ok. Oh, mais ça avait pourtant l'air plutôt solide. Merci, vous deux. Oh putain, ouais. Ça n'était pas. Pas mal. Sachant que c'était son idée. Allez, on continue à avancer. J'ai entendu Asaf parler de Shoreline. Je te le jure. Tout ce que j'ai appris, c'est que l'armée indienne a coupé sa chaîne d'approvisionnement et qu'il cherche une aide extérieure. Asaf doit être désespéré. Ouais, Shoreline est prêt à accepter l'argent de n'importe qui. Enfin, tu vois. Laisse tomber. C'est vrai. Pourquoi ils ont mieux vu le tunnel? On pourrait grimper sur le mur, mais même avec la courte échelle, c'est trop haut. D'accord, j'ai compris. C'est coincé. Tu peux m'aider? J'aurais dû le faire après. Là, je vais bouger l'embranchement avant d'avoir bougé le truc. Ouais. J'aurais dû bouger ça avant. Tiens, on pourrait grimper en haut. Je vais t'aider. C'est coincé. Faut changer les guidages. Voilà. Oh, la voie est alignée maintenant. Mais ça pourrait marcher, votre truc. Tu sais que tu pourrais nous aider, si tu le voulais. Non, vous gérez ça. La voie est alignée. Merci Sam. On retourne au chariot. On y est presque. Oh merde! Attention! C'est pas prévu. Tout le monde va bien? Ça va. Ouais. Mais tant pis pour notre passage par en haut. On peut peut-être quand même passer à travers. Génial. On peut pas reculer. C'est trop haut. Sam, tu dois être assez grand pour l'atteindre. Viens, prends appui. Je vais t'aider. Plus on est de fous. Bonne idée. C'est pas gênant du tout. Non, c'est quand tu veux. Y a pas une échelle en rap dans le coin par hasard, Sam? On a vécu deux jours de folie, pas vrai? Bah, je m'attendais pas vraiment à voir Sam Drake refaire irruption dans ma vie. Tu sais, je savais pas trop si je pouvais te faire confiance non plus. J'ai dû te mettre un peu à l'essai. Comme quand tu m'as fait poireauter deux heures dans une zone de guerre. Là oui, t'as bien testé ma patience. Cette fois-là, j'étais vraiment en retard. C'est à cause de cette petite fille du marché qui m'a vendu une écharpe. Une vraie tête de mule. La belle histoire. Retournez toutes les deux à la voie ferrée. J'ai trouvé un truc qui devrait marcher. Ouais, on arrive. Ok, Sam, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé une caisse, moi. Mais oui, bien sûr. Je la fais tomber en bas.
Attends, elle sera pas assez haute. Oh, c'est vrai, bien vu. On rapproche le chariot, on se retrouve à mi-chemin. Et voilà, fallait trouver le bulbe. Quoi? C'est le bulbe, c'est de l'argon pour le cerveau. C'est pas ce que j'imaginais. Pourquoi je sens que c'est une idée de merde? Non, c'est bon. C'est par là. Regardez, on y est presque. Sam, tu peux te servir de ma corde. Vas-y, il utilisera la mienne. C'est parti du club des... C'est là, ok. Ah, j'ai raté mon coup. Oui, j'ai oublié de recliquer. C'est dommage. Sam, tu peux te servir de ma corde. Vas-y, il utilisera la mienne. Des armes? Possible. Je croyais que Shoreline ne faisait pas de trafic d'armes. Non. Avant, non. Je m'en fous pas mal de la caisse. Où est la défense? Je vois Sav avec... Qui? Orca. Qui? Mon ancien lieutenant. Oh, je me souviens du gars. Le mulet avec un type accroché en dessous. Hein? Ah, la figée. Bon, l'accord est conclu. Ton pote Orca à la défense. Bon, allons le soulager. Hé, hey, wow. Vous avez un plan, au moins? Je vous ai dit qu'il y avait 12 d'hommes là-bas. Hé, hey, relax. Tu vivras plus longtemps. Je suis si fière. C'est quoi, ça? Dans le coin pour nettoyer le secteur. Tu parles de nous, là? Faut qu'on dégomme ce salopard. Ok. Alors, j'aimerais bien faire un peu de repérage avant.
L'hélico va être un problème. C'est un type en armure. Ouf. Bon allez, on s'en fout. Merde, il est dans mon dos, je l'avais pas vu lui. Bon, buter comme ça en bourrin un type en armure, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais il va être relou sinon. Super. Et je voulais pas faire ça. Je voulais juste taguer le mec. C'est ce qui s'appelle merder. C'est que je pense que le mec dans l'hélico, je peux pas le buter comme ça. Si je descends à la flotte. Ouais, il faut un lance-roquette pour le buter, c'est une espèce de tourelle automatique, donc il n'y a personne à tuer. Par ici ou pas? Ah, ça m'intéresse. Mm-hmm.
quelque chose ? J'ai rien trouvé. Quelqu'un les a vus ? Homme à terre, hop ! Fusil à pompe automatique, bon merci. Je sais que t'es là toi, donc je peux rien faire en fait. Bon, comme ça j'en ai buté quelques-uns déjà. Par ici. Hop, un de moins. Ah, je pensais que je annulerais le repérage, j'ai raté mon coup. Mission. Tu m'excuseras, mais hop, d'abord, je récupère une arme. Oula.
Allez, monte ta trogne. J'aimerais bien, mais il faut que je puisse accéder aux caisses déjà. Sans me prendre des balles sur la gueule. Là. Ok, on va. Voilà. Lance-roquette, cool. Peut-être qu'on change de place là. Merde, je suis à découvert. Allez! Ah, il n'y a rien nulle part pour se cacher. J'ai merdé. J'ai complètement merdé, ouais. Là, j'ai complètement merdé. Je pensais qu'il y avait un truc pour se cacher. Alors. Autre. Si c'est comme la Jeep, il va falloir tirer trois fois dessus. Alors je vais essayer de le tuer au passage, oui. Hop, un de moins. Je vais attendre que celui-là revienne. Je vais attendre son retour, on va faire ça tranquillement. Bon, il vient pas, je vais essayer d'avancer un peu ailleurs. Je vais aller. Ah, il y a une autre caisse orange là-bas, donc il y aurait bien un lance-roquette là-bas.
Alors, est-ce que dans la maison, par hasard, il y a un lance-roquettes ? Non. Par contre, je vais récupérer ça. Hop, on repasse au pistolet silencieux. Hop, on va essayer d'en tuer un discrètement. Hop, on va un de moins. Oh, il est là. Est-ce qu'il est celui qui me fait ? Voilà. Les coups me tirent dessus, quoi. Hop, il m'a toujours repéré. J'avais espéré qu'il m'oublie un peu. Non, hein. Hop, allez, on va essayer de passer par là. Faut essayer de me faire oublier. Faudrait que j'aille à la dernière caisse qui est là-bas. Putain, mais il reste là, lui, il bouge plus, quoi. Accrochez-vous, hélicoptère ? Non, très mauvaise idée. Je vais te la battre, mon hélico.
Je parie qu'on pourrait accrocher nos cordes sur l'hélicoptère. C'est pas un peu dangereux? Mais comment tu veux faire? Putain, mais il y en a partout, quoi. Je sais pas me cacher. Ah ouais, non, mais accrocher nos cordes à l'hélicoptère, ouais, non, mauvaise idée, quoi. Je pense qu'il faut que j'arrive à aller dans celui-là. Genre, ils m'ont repéré. Au respawn. Super. Ok. Donc là, si dès le respawn, il me repère, c'est un peu compliqué, quoi. Il rentre là-dedans. C'est pas un peu dangereux. Il y a un autre côté, allez. Ok, non, on peut pas se replanquer. Faut reprendre la vie. Allez, rentre dedans. Mais ah, on va essayer de se rejeter dans l'eau. Allez, dépêche-toi de le crocheter. Oui, je sais qu'il est au-dessus, mais je voudrais bien débloquer le truc pour récupérer peut-être un lance-roquette. Non. Tu veux qu'on accroche dessus, mais où et comment? Allez, chope-le, 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 chope-le. Putain, sérieux. Moi, je veux bien accrocher les cordes à l'hélico. Tu fais comment? Faut monter sur un truc quand même, non? Bon, sinon je pense avoir fait tout le tour de la zone et j'ai pas... Ah, peut-être là-haut, peut-être. Ouais.
Alors on a fait le tour de toutes les caisses oranges. Je sais, mais comme je ne sais pas à quoi il faut l'accrocher, bah j'essaie de trouver. Oui, bah, il faut réussir à les accrocher. Hein. On va essayer de le faire reset déjà pour être tranquille. Oula, il m'a repéré. Je suis juste en dessous, donc où est-ce que tu veux que je fasse accrocher ma corde? En fait, c'est ça qui me pose problème, c'est que voilà, il faut monter plus haut. Tu peux pas aller plus haut. L'hélico est juste là. Où est-ce que tu veux que j'accroche ma corde? Trouver un point élevé, bah ouais. Qu'est-ce que tu crois que je faisais? Le point élevé, ça va être ça, hein. Je suis sur un point élevé, je vois pas trop où je peux être plus élevé. Putain. Ah, y a pas de point plus élevé, j'ai l'impression. Ah si, je l'avais.
Oh, tu vois, ouais. Ok. Madame, vous avez l'air en forme. Qu'est-ce que t'as fait à ma société ? J'en ai fait un business rentable, pas comme vous. C'était une question rhétorique. J'aurais dû t'abattre sur cette île maudite. J'aurais préféré. Ça m'aurait évité d'avoir à vous regarder fuir comme une lâche. Bon, ça va. Vous réglerez vos comptes plus tard, ok ? La défense, merci. Vous deux, ensemble. Soit vous avez vraiment une mémoire de chiotte, soit vous avez complètement touché le fond. Décidément, c'est ma fête aujourd'hui. Moi, j'en suis pas réduite à trafiquer des armes avec une bande d'insurgés. Ah, nous y voilà. Nous y voilà. Oh, vous et votre esprit étroit. Vous pensez vraiment que j'aurais échangé ça contre des munitions. Une tête nucléaire. J'en ai rien à foutre. Donne-moi la défense. Bon, ben... vous allez rater le feu d'artifice. Je te le répéterai pas. Ok. Attrape. Boulot. Merci. Peut-être un peu bâclé, mais... Quand tu veux, tu bouges. Ok, compris. Je pourrais... la regarder une seconde. D'accord, mais un tiers est à moi, tu sais. Tu partages avec Chloé. Ok. Je sais que c'est nouveau pour toi, mais c'est pas comme ça que ça marche. Dis-toi que c'est le prix de mes services. Laisse-moi te dire une chose. C'est une bombe. Quoi ? Bon sang. Assav a échangé la défense contre une bombe. Le feu d'artifice. C'est pas grand. Je sais. Ces rails vont droit vers la ville. Vers le marché. Rejoignons le prochain village. Alertons les autorités. Ce sera trop tard. Si elle explose, des milliers de gens mourront. Dont la petite fille qui t'a vendu l'écharpe. Et c'est vraiment un grand drame. Mais on a ce qu'on est venu chercher. Enfin... Quoi ? T'as quand même pas l'intention de poursuivre ce train. Ok, fonce ! Fonce, t'as un plan. Apparemment, c'est pas utile dans votre petite organisation. Tu vas vraiment la laisser faire ? Non, je... Enfin, elle a pas tort pour tout. Attends, je sais pas, ok ? C'est pas notre combat. Tu l'as dit toi-même. Mettons que tu rattrapes le train, et après, on peut pas désamorcer la bombe. T'as raison. Bon. Bon, alors, on contacte les autorités. C'est pas notre combat. C'est le mien. Si cette bombe explose, ça déclenchera une guerre civile. Je peux pas l'accepter. J'en ai marre de fermer les yeux. Mm-hmm. Tu mourras. Ça me gêne pas. Hé. Hey. Mets ma part de côté. Ok ? On sait jamais. Hein ? Tu vas pas me laisser tout seul avec elle ? Descends. Non ! Je monte devant. Oh. D'accord. Je m'assois derrière. Quoi ?
quelque part ? Je me fais mes propres routes. Bien. Ouais, bah en fait, je vais voir moi aussi. Oh là ! Ok. Ok. Dis pas ça, tu vas me porter la poisse. Pas trop ce que je pouvais faire contre les motos quand même. Merde, je me suis pris un arbre. Boum, c'est pas toi que je visais, mais c'est pas grave. Ça compte pareil. C'est par où ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je pars du mauvais côté ? Non, c'est ça. Voilà le train. Sam, prends soin de la défense. J'en peux pas. Rapproche-toi que je puisse contacter. Ça marche. Approche. C'est bon. Allez-vous les frères, les filles. Oh, merde. Bonne chance, Sam. Il va s'en sortir. Tu t'inquiètes pour lui? Bah, il a la défense. Hey, t'as vu où ils ont mis cette caisse géante? De la motrice. Bien, c'est notre prochain objectif. Non. Je voulais monter. Ah ! Tu veux pas monter normalement ? Voilà, merci. Là par contre on progresse plus. Là. Par l'extérieur. Oh merde, on a de la compagnie. Les hommes d'Assad. Bon, on a encore l'effet de surprise. Ah ! Ah, je l'avais pas vu arriver lui. Merde. Je me suis bien fait surprendre. Ok. Ah oui, je sais. Bah, remonte, monte, 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 monte. Voilà, merci. Je suis coincé. Ah. Je les ai trouvés.
Mais merde. Ah, le truc pour sortir de la couverture est pas efficace, tu fais une roulade derrière et... Mais tu veux pas monter là-haut ? Non. En fait, c'est comme ça que tu es censé faire. Vise la trappe. J'ai des problèmes de munitions. Allez, on change de compartiment. Des motos. Allez, gample. Voilà. Regarde.
4x4, on s'en fout, il n'y a plus personne dedans. Je suis full grenade, ok. Hop. On n'en parle plus. T'es gentil, Nadine. Allez, descends, plonge-toi dedans. Temps de reprendre de la vie. Ouf, 2 secondes, je souffle 2 secondes parce que là, c'est un peu épique. Cette arme-là n'est pas évidente pour les buter. Ok, celle-là est encore pire, je pense. Oui, c'est ce que je pensais, c'est encore pire. Dans le train, c'est encore pire à utiliser. J'ai plus de munitions. Faut que j'avance. J'ai pas le choix. Ah merde. Je pensais qu'il y avait un truc. Salut. Salut. J'avais pas vu que tu m'avais parlé. J'ai encore des munitions celui-là. Salut. Ah, touché. Voilà. Un de moins. La moto. J'ai pas d'autre arme à ramasser. Il y a un sniper derrière. Raté. Voilà. Ah non, il est pas mort. Je pensais que je l'avais tué. Voilà. Allez. Contourner. Ouais. Allez, casse-toi. Allez, c'est reparti. Faut que je passe la citerne. Allez. Bien joué, Nadine. Rapproche-toi, rapproche-toi. C'est parti. Hop, voilà.
Hop, ça j'ai pris, c'est bon. Non, c'est sur PS4. C'est que je me sers d'un logiciel pour pouvoir streamer, de jouer sur mon PC en fait. Quota avec la PS4. Ouh. Comme j'avais fait le 4 et que j'avais adoré, enfin comme j'ai toujours aimé l'Uncharted, c'est celui-là qui me manquait. Allez, passe ta tête. Oh, plus de munitions. L'autre côté, il n'y a rien, c'est de ce côté-là. Oui. Nadine, tu m'attends pas. Ouais. Hop. C'est le côté là. Ah, c'est plus que 9 balles. Donc je joue à la manette PS4. Ah putain, je joue à la manette PS4 sur mon PC avec un jeu PS4. Ce qui permet en même temps de le streamer. On va essayer de l'éliminer avant. Ok. Allez, monte ta trogne. Voilà. Hop, déjà toi en moins. Hop. Je vais changer d'arme. J'ai vu qu'il y avait une arme de poing ici. Voilà. Hop, c'est parti. Ah, ok, je pensais pas monter sur la voiture. Parti. On va essayer d'avancer le plus possible. Tu veux pas tirer dessus, Nadine? Ça m'arrangerait bien. Ah, faudrait sortir la voiture, c'est trop dur. Oh punaise. Comment je fais? Alors ici, je vois pas trop. Surtout que le mec est pas visible. On va essayer de trouver une autre solution. Hop, on l'a une de moins. Bon. Ici, je vois pas trop. J'aurais peut-être pas dû péter la voiture, j'aurais peut-être dû la prendre. Je pense que c'est ça qu'il fallait faire. Allez, on va essayer d'avancer. Maintenant qu'il est derrière. Je vais peut-être mourir. Ouais, je vais sûrement mourir. Mais au moins j'aurais testé. C'est pas par là. C'est ça. À mon avis, il faut pas perdre la voiture. Et avancer à la truc d'après. Ah ou pas, parce que ça me remet là. Faut faire le tour. Ah. Et si je balance ça, ça a pété une des portes. C'est ça. Il faut sauter la voiture. Hop, go. Bah c'est Uncharted. C'est Uncharted. Les Uncharted sont toujours un peu comme ça. Et là, pour une fois, tu joues pas Nathan Drake, tu joues Chloé Fraser.
qui est un personnage que tu croises dans Uncharted 2 ou 3, je sais plus. Pourquoi est-ce que j'avance pas? Ah, d'accord. Ah, vas-y, pêche-toi à grimper. Voilà. Hop. L'autre côté, il a dit. Sniper. Ah, punaise, il y en avait deux, il y en avait un de chaque côté. J'ai un peu galéré à avoir celui-là. Hop, celui-là est mort. Faire l'autre. Voilà, la bouteille de gaz, ça aide. Gaz, mais j'arrive pas à les viser. Putain, sérieux, il y en a 3. Ah, voilà. Ouais, ouais. C'est vrai. Allez, go. On y arrive. Je crois qu'on y est presque. C'est coincé, je vais t'aider. Allez, go. Arrêtez le train, quoi. Tu viens ? Encore ? Ok, vas-y. C'est bien le moteur. On peut glisser par là. Allez. Comment tu veux que j'y aille? Ah, raté. Dommage. Trappe. Non, voilà. Elle est soudée aussi. Il doit y avoir un autre moyen. Si t'as la moindre idée, je suis tout oui. Un levier. Quoi? Là, une gare de triage. Si on l'atteint, on pourra détourner le train et gagner du temps. Ok, c'est une bonne idée. Ouch. Ah, j'ai pas un dîner avec moi, je suis tout seul. Vous pouvez pas vous empêcher de mettre votre grain de sel. C'est toi qui dis ça. On a pas beaucoup de temps.
c'est pas le bon chemin. Voilà. Merde, j'ai pas réussi à lui rouler dessus. Tiens, dégage. Allez, go. C'est vraiment pas le moment. Et les bouffons, vous pouvez nous lâcher la grappe de fond. Claire, le train se rapproche. Ça y est, plus personne. Bon, on retourne à l'aiguillage. Pousse. Allez, go, 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 go. Allez, 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 allez. Allez. Allez, go. Ouf, la voiture elle glisse beaucoup là. T'es sûr que c'est le bon chemin? Non. Ah, on suit, tant pis, c'est pas grave. Ok, voilà le train. Mais comment je monte à bord? Je ne vois aucun pont, ni passage à niveau. On n'est pas aidé. Allez, accélère. Comme ça. Dire que ça a marché. Oh merde, le pont. Merde. Allez, sors de là. Allez, go. Allez, 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 hop là. Tiens, il manque plus que lui. J'ai raté le dernier. Allez. Vous allez risquer vos vies. Et pourquoi? Pour une ville de paysans? Mais quel parfait connard! Le sang des anciens rois coule dans mes veines. Mon peuple renaîtra de ses cendres. T'aurais jamais dû partir. Oh putain, j'arrive pas à esquiver au bon moment. Ces terres sont à moi. Qu'est-ce que vous espérez y gagner? On s'intéresse surtout à ce qu'on peut vous faire perdre. La bombe? J'en achèterai une autre. Je brûlerai ta ville, voleuse. Mais elle est pas indienne. Marine, finissons
Oula, j'arrive pas à esquiver. Oh punaise, il m'en met plein la gueule. Putain. J'esquive le un côté, mais j'arrive pas à esquiver. J'arrive pas à tout esquiver. Ah bah oui, c'est bien parti pour là. Ah merde. Ok, il y a toute une partie à esquiver. Ah, je suis pas descendu assez vite. Ok. Oui, tout pris. Allez, ah, la caméra est... Ah ! Comme la caméra est pas du bon côté, je me suis fait avoir. Je peux pas la tourner ? Non, je peux pas. Allez, go ! Ça me rappelle le Uncharted 2 avec Drake dans le train. 3, je sais plus c'est lequel. Waouh! C'est pas toujours les meilleurs qui partent en premier. Regardez-moi ça. Wow.
Ouais. Eh ben, on vient de loin. C'est clair. Alors ? Et maintenant ? Nadine Ross ? Tu reprends Shoreline ? Tu conquiers le marché des armes ? J'arrête avec Shoreline. Vraiment ? Vraiment. En fait, je me disais que je retenterais bien de partir à la chasse au trésor. Tu connaîtrais pas un con égoïste qui cherche une partenaire ? Pas toi. D'accord. Ah, désolé, je bosse qu'avec des pros. Ouais. Où est la défense ? C'est pas... Oh, c'est pas vrai. Non, Sam. Je déconne, la voilà. T'as fait une tête. Ah, oh, d'accord. Merde. C'était ma dernière clope. Elle est vraiment superbe. Ouais. Combien on pourra en tirer de cette beauté ? Eh ben... Je suis sûre que le ministère de la Culture nous donnera... une généreuse et belle prime. Ah ouais ? Ensemble ? Le coude. Ah. Oh ! Vous êtes trop marrante. C'est clair, on dirait les frères Drake. J'y crois pas, vous êtes sérieuse. Et bah ce jeu était très bien. Ça reste vraiment dans la veine des Uncharted. Et c'était marrant de jouer Chloé et Nadine cette fois-ci. Voilà. Bonne journée.